Bonjour à tous, c'est Génotype. Donc aujourd'hui on s'attaque à Half-Life premier du nom qui est sorti le 19 novembre 1998. Ouais, je sais, ça revient loin. Je vous préviens d'avance que la vidéo, enfin l'introduction dure au moins 5 minutes. Donc pour ceux qui ne veulent pas justement voir l'introduction, je leur conseille de passer directement à 5 minutes. Donc là, l'introduction elle sert juste à deux choses. Une c'est... Elle sert à rien en fait. Il y a une voix, c'est pour vous expliquer ce qui se passe dans le centre. En fait, pas du tout. En fait, elle sert à rien non plus la voix en fait. Donc, ce que je peux dire maintenant, c'est que le jeu est moche graphiquement. Et ça, c'est. On peut rien dire. On peut pas comparer avec les jeux de maintenant. Parce que c'est quand même sorti en 1998. C'était une claque graphique avant. Donc, une claque graphique. Ça. Donc, ce que je dois dire, ah oui, c'est que c'est la version source, donc remasterisée. Quoique remasterisée, c'est un grand mot car il n'y a presque rien de nouveau, à part des effets de brillance et des corps qui tombent, qui peuvent encore bouger après sa mort. Donc, ce qu'il va se passer pendant l'introduction, et ben rien du tout. Donc, je ne vais pas vraiment commenter l'introduction, je vais la commenter. Je vais quand même la commenter un peu, c'est tout, mais je vais pas complètement la commenter. Donc, voilà. Donc là, on peut voir un effet de bloom, comme expliqué dans Half-Life 2. En cas de défaillance, les passagers sont priés de rester assis et d'attendre de nouvelles instructions. S'il s'avérait nécessaire de quitter la rame entre deux stations, les blessés doivent être évacués en priorité. N'approchez pas des rails électrifiés et rendez-vous au poste d'urgence le plus proche pour y attendre les secours. Voilà. Donc je n'ai pas coupé les écrans de chargement comme dans ma vidéo sur Half-Life 2 parce que ça ne servait à rien. Une seconde de chargement ça sert à rien. Voilà, diplômé de physique théorique, il y a plein de points d'interrogation. Parce qu'il y a les accents, ça sert à rien. Ils sont même pas foutus de faire un vrai accent. Voilà, donc un crédit sur niveau 3. Accréditation, voilà. Responsable administratif confidentiel, c'est monsieur Brie, docteur Brie. Dossier confidentiel, ça veut dire pour l'instant. Si vous connaissez des experts en sciences de la matière, biotechnologie ou autres disciplines scientifiques de haut niveau, veuillez contacter la direction du recrutement. Le centre de recherche de Black Mesa offre des chances égales d'emploi pour tous. Donc pour ceux qui ne savent pas, on est dans un complexe scientifique au Nouveau-Mexique. Donc je ne sais pas si c'est proche de la vraie zone 51, je pense pas. Il me semble que c'était proche de Las Vegas. De toute façon on s'en fout, c'est pas le thème d'aujourd'hui. Là ça fait un peu peur parce que déjà il y a la musique qui fait peur. Je sais pas comment ils ont pu mettre une musique pareille. De deux, il n'y a pas de rampe qui tienne pour faire descendre. C'est comme si tu faisais une chute libre mais... lente. Alors là t'as un gars un peu spécial qui va te suivre pendant tout le long du jeu, alias le G-Man. Donc il y a une rumeur qui dit que c'est un homme du gouvernement, G-Man, Government Man. Voilà. Il y a une espèce de robot. Alors nous voilà. Voilà. Nous voilà aux 5 minutes. Donc
Donc l'introduction est finie. Donc maintenant on va vraiment commenter. Donc je ne sais pas si c'est mes touches ou si c'est fait exprès, mais j'avance un peu rapidement. Éloignez-vous des donc portes je vais essayer d'enclencher la touche marché. Attendez que l'officier de sécurité ait vérifié votre si, identité. Je pense, ou un peu avant plus loin. De descendre du train, vérifiez que vous n'avez voilà, oublié aucun effet personnel. Merci d'avoir voyagé à bord. Alors, de il y a le garde qui a un casque brillant. Je ne sais pas si les gardes ont des casques brillants. Ça m'étonnerait. Voilà donc voilà à quoi ressemble la touche marché. Il y a déjà une grosse différence. Voilà, lui c'est Barney. Celui qu'on rencontre dans Half-Life 2, enfin dans la vidéo. Il est un peu vieux et un peu moche là. Voilà. Il rentre sa main dans le mur, je sais pas comment il fait. Je sais bien qu'il y a PDA au bout, mais bon. On voit que sa main rentre dans le PDA. Voilà, donc il y a la porte qui s'ouvre. Je cours, elle se referme derrière moi. Voilà, l'autre va s'ouvrir. Chapitre matériaux anormaux. Voilà, c'est là que le jeu va commencer. Ah, j'ai bien dit jeu, j'ai pas dit les phases d'action, c'est différent. Vous, mais mon ordinateur a planté il y a une vingtaine de minutes et je suis encore en train d'essayer. Donc graphiquement c'est moche, mais le jeu est tout simplement génial. Dans la salle de test aussi, donc voilà plus ou moins une carte du secteur C. C'est là où je vais travailler. En tout cas c'est le premier niveau du secteur C. Voilà donc il y a un immense panel d'objets, ce qu'on peut interagir avec. C'est tout simplement génial. Voilà donc je peux mettre l'alarme. Mon Dieu, qu'est-ce que plus tard je vais pouvoir la désactiver. Ça sert à rien, c'est juste. Vous voulez m'attirer les ennuis ? C'est juste comme ça en fait. Donc voilà, je cours super rapidement. Dites, vous devriez être en salle de test depuis. Y'a le gars qui me fait flipper là. Voilà. Ici y'a rien à dire. Chargement, c'est bon. No smoking area. Donc on peut pas fumer ici. Et voilà. Mon Dieu, qu'est-ce que vous faites ? Par contre, il y a un petit truc que j'ai envie de commenter avec vous. Espérons que les paramètres c'est, est-ce que dans votre micro-ondes, si vous mettez un plat et que vous le chauffez trop longtemps, ça peut exploser. Ça oui, s'il y a un couvercle au-dessus, mais même sans, je pense. Est-ce que la vitre du micro-ondes explose avec? Non, voilà. Voilà, Freeman. Alors là, il y a comment dire, un espèce d'easter egg. Voilà, on voit qu'il a une fille ou une cousine, n'importe quoi, mais il a un enfant qu'il aime. Et pendant tout le reste du jeu, donc Half-Life 1, Half-Life 2, épisode 1, épisode 2, et peut-être épisode 3, on s'en fout. Il a le bébé, il sert à rien. Ça se trouve, c'est peut-être sa fille, ou alors c'est sa cousine, ou alors c'est la fille de sa sœur, etc. Le gars, il s'en fout. Il aime bien décapiter des extraterrestres. Voilà, la petite musique. Assez sympathique. Petite lampe de Porsche. De torche. Porsche. Je pense que les noms des casiers ont un rapport avec les noms des créateurs du jeu. Il me semble. Voilà. Donc, j'ouvre la porte. Sort. No smoking area. Autorisé de personne en ligne. Donc, seules les personnes autorisées peuvent y aller. Voilà. Par contre, ce que je me plains, c'est que. Ils ont fait, c'est le nouveau moteur parce que Half-Life 1 avait le moteur Gold Source et là il y a un moteur Source donc niveau différence pour les niveaux, je ne sais pas ce qu'il y a comme différence, mais il y a quand même assez beaucoup de niveaux de chargement, ce qui casse la musique. Cette musique là on s'en fout, mais celle de Half-Life 2 est quand même assez bien. Cinematic Mode pour ceux qui ont vu ma première vidéo sur Half-Life. Voilà, c'est ça, ça a bien fait ça. Alors là, il y a quelqu'un qui m'appelle. Gordon Freeman est attendu au secteur, je sais pas combien.
là, je vais descendre. Alors là, on n'entend presque rien parce que j'ai diminué le son du jeu, mais pour ceux qui ont déjà joué, les ascenseurs ne font aucun bruit. À part les vrais ascenseurs, comment dire, ceux qu'on a dans des hôtels. Parce qu'il y en a dans le jeu des ascenseurs qui ressemblent à ça. Et ils font du bruit. Donc voilà, level 3. L'eau est quand même assez bien faite. Ouais, ça a été pris du source. Par contre, elle ne colle pas avec les autres textures. Voilà. Ah, Gordon, vous voilà. Nous venons d'envoyer l'échantillon à la salle de test. Voilà la salle de test. Nous avons poussé le spectromètre antimasse à 105%. C'est un peu risqué, mais il nous faut une résolution supérieure. L'administrateur tient vraiment à ce que nous parvenions à analyser cet échantillon. Je crois qu'ils ont eu du mal à se le procurer. Ils vous attendent, Gordon, dans la salle de test. Ok, voilà. Donc, le gars va m'ouvrir la porte avec une espèce de tableau de reconnaissance rétinienne. Donc, avec l'œil, l'iris. Bonjour. C'est sur le point d'achat, voilà. Mais qu'est-ce qu'il a, cet appareil ? Le test n'a même pas encore commencé que... Ils ont même pas encore chargé les protocoles que les PC sont déjà en train d'exploser. Ça c'est... Je vois pas comment ça peut être. En fait, je vois pas du tout, en fait. Voilà, c'est le test par là. Droite. Donc C33A. C'est un rapport avec plus tard dans le jeu. Gordon, ce qui est je crois que nous allons devoir nous éloigner un peu des méthodes d'analyse habituelles. C'est exact, mais nous avons de bonnes raisons de le faire. C'est une chance unique, il s'agit de l'échantillon le plus pur que nous ayons jamais vu, et potentiellement le plus instable. Oh, si on suit la procédure d'insertion, tout devrait bien se passer. Comment pouvez-vous dire cela ? J'admets que le risque de résonance en chaîne est très limité, mais je n'aime pas le... Ça ne concerne pas notre ami Gordon. C'est un spécialiste parfaitement entraîné. Nous avons assuré l'administrateur que tout se passerait bien. Oui, vous avez raison. Gordon, nous avons entièrement confiance en vous. Bien, allons-y. Faites-le entrer maintenant. Et nous voilà. Dans la salle de test. Alors, elle est moche. Et dans Half-Life 2, ils ne sont même pas foutus de remplacer les textures. Parce que pour ceux qui ont vu ma première vidéo, on voit que les textures, enfin, on revoit cette salle là, et les textures sont les mêmes. Donc imaginez pas, ils ont fait un nouveau jeu, c'était le premier jeu qui commençait à prendre des graphiques un peu plus réels, si je peux dire. Ils sont passés de combien de bits à combien de bits. Nous allons régler le spectromètre antimasse. Pas confondre avec un truc. Les bits, c'est le nombre de couleurs ou je ne sais plus quoi. Donc on peut me contredire là-dessus. Je ne suis pas un pro d'informatique. Voilà, la fumée est super bien faite. Très bien, on s'en occupe maintenant. Paré pour la phase 1, énergie dans 3, 2, 1. Je vois la matrice de phase. Attention, début de la phase 2, maintenant. Gordon. Impossible de prédire combien de temps le système pourra fonctionner à ce niveau de charge, ni celui que prendra l'analyse. Essayez de travailler aussi vite que possible. Condensateur supérieur à 105%. Ce n'est probablement pas un problème. Probablement pas, mais j'ai quelques écarts anormaux. Voilà, des éclairs anormaux. Non, ça y est. Plus rien en dehors des limites de tolérance. Continuons. Donc, ils savent déjà que le test, il va y avoir un problème, ils l'ont dit au début. Mais qu'en plus, il y a des éclairs anormaux, ça les dérange pas. N'empêche que ça a coûté la vie de 7 milliards d'habitants sur Terre.
Désactivation. Désactivation. Je réagis pas. Je n'arrive pas à désactiver. Ça me fait un peu penser au CERN. Parce que c'est le bon. Parce que c'est le bon projet. Pour ceux qui ne savent pas, je sais bien que ça n'a rien à voir avec ma vidéo, mais on va en parler. C'est un accélérateur de particules qui est sous la France et la Suisse. Ils vont essayer de les faire. Comment ils appellent ça encore ? Ils vont en envoyer deux, je pense, ou un peu plus. Et ils doivent se percuter. Donc, une fois que ça se percute, ils vont voir ce que ça va faire et ils vont avoir des astuces. Ils vont voir comment une partie du Big Bang, comment c'était créé. Ça peut créer des mini trous noirs. Ils disent que c'est assez profond de la Terre pour que le trou noir n'aille pas jusqu'au bout. Alors qu'un trou noir, tout le monde le sait, ça vale tout. Même la lumière, même s'il y a 36 000 ions de terre, ça va quand même avaler. Ils mettent quand même une grosse machine comme ça en toute la France. Et... je pense que c'est 27 km des tunnels. C'est quand même... je sais pas combien de temps ils ont fait ça. Voilà donc. Pour ceux qui vont Half-Life, si j'étais resté près des espèces de monstres qui fait de la lumière, qu'on appelle des Vortigaunts, il aurait spawné près de moi quand je serais apparu là et je serais mort. C'est un bug ou c'est fait exprès, je ne sais pas. Donc voilà, il essaie de réanimer. Bam. Ça c'est bien fait, physique. Voilà. Je ne suis pas sûr, mais il me semble que c'est Kleiner, c'est bien son nom, et le père d'Alix. Monsieur Vance ou un truc comme ça, je ne sais plus comment ça s'appelle. Vous êtes vivant. Cette combinaison vous a sauvé. J'espère qu'on puisse le déplacer. Et tous nos téléphones, visiblement, le système de confinement n'a pas fonctionné. Oui. Voilà, il s'appelle Elivu. Vance, voilà. Alors voilà qu'on ouvre. Et en même temps, je ne sais pas pourquoi ils ont fait deux extensions pour ce jeu aussi, donc Half-Life Opposing Force. On a un soldat qui viendra plus tard dans le jeu. Half-Life Blue Shift. On incarne Barney Calhoun. C'est Barney, celui d'Half-Life 2 de ma première vidéo. Et comment je peux dire ça? C'est celui qui tape à la porte au tout début de cette vidéo-ci, avec une lampe torche. C'est celui-là. Et dans Half-Life 2, il nous parle d'une bière. Celui qui nous ouvre la porte, c'est celui-là qui nous parle d'une bière. Donc il y a deux incohérences. Enfin, il y en a une des deux en tout cas. Donc qui est le vrai Barney Calhoun? C'est celui qui ouvre la porte, qu'on verra mort après. Ou c'est celui avec sa torche? Pour moi c'est celui avec sa torche et je ne sais pas d'où vient cette bière, cette idée de bière qu'il me doit. Voilà donc un espèce de zombie. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Et pourquoi porte-t-il ces blouses de chercheur? Voilà. Ok, je vous couvre. J'aimerais bien sortir d'ici vivant et en un seul morceau. Un crabe de tête, donc un net crabe en anglais. C'est des espèces de petits monstres qui vont sur la tête des gens comme ça pour s'amuser, pour les mordre. Et qui contrôlent leur cerveau, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec. Ils peuvent nous attaquer, c'est leur but justement. Et bizarrement, leur corps est... ouais, leur corps, donc c'est son déchiqueté. Voilà, je trouve des munitions. Leur corps est déchiqueté, il y a des pinces qui sortent du corps. C'est spécial. Ah, il y a encore une boîte de... on peut difficilement faire pire. D'énergie pour achever, qui est la combinaison que j'ai pris au début. Et si je me souviens bien ce que veut dire achever, c'était... hasardous environnemental, je ne sais plus quoi. Je vais chercher sur internet justement.
Voilà. Donc c'est Hazard Suite. Alors je vois pas d'où vient le suite dans EV. Ah voilà. Hazardous environnement suite. C'est comme je disais. Donc une combinaison de d'environnement hostile. Et apparemment c'est la version 4 parce qu'il parle d'une version 5 dans Half-Life 2. Et comme le seul ajout est que... Il n'y a pas d'ajout en fait, à part le zoom. De confort, mais ça on s'en fout parce qu'on le sent pas le confort. À moins que plus tard on va créer une espèce de Wii ou de Kinect qui te fait en même temps sentir l'armure. Donc plus tard ça peut-être un jeu avec une armure, je ne sais pas. N'empêche, c'est génial. Ressentir les mouvements quand on court, faire les mouvements, et ressentir la douleur quand on tire dessus. Ça doit pas être très sympa, mais ça doit être assez réaliste. Quoique les jeux ne doivent pas être réalistes, c'est ce qui peut créer les tueurs d'aujourd'hui. Ce qui peut, hein. Moi je pense pas que c'est ça. Donc voilà, il y a zombie qui a des spasmes à cause de l'image. Et là on peut voir le jeu de lumière et d'ombre qui est assez bien fait. Ça marche pas donc, ça fonctionne pas donc, je vais aller casser sa petite TV. Qui est un ordinateur portable. Je sais pas ce que c'est la petite barre à l'arrière, mais j'ai pas envie de le savoir. Ça c'est comme l'IKEA, on voit tous les caves qui passent sur le toit, c'est comme chez IKEA. Donc voilà, une petite porte casse de petite vide juste pour m'amuser. Je vais avoir dalle, un voyou. Je sais plus comment on disait Alex Vance quand on se rencontrait. Un foutoir de trou, voilà. Ça c'est un Hyundai. C'est un chien qui explose. Mais qui survit à son explosion, voilà. Vous et moi, on fait une équipe du tonnerre. C'est peut-être ma petite théorie là-dessus. Peut-être parce qu'il pète, je sais pas. Justement, on va le voir. Voilà, justement, il se force. Ça va être ça. Donc, nous voilà, il y a un petit tête crabe là. Je vais le péter sa gueule à coup de crowbar, donc une petite biche. Pour ceux, enfin, pour qu'on soit bien sûr, le pied de biche n'est pas une arme, c'est un outil. Comme les autres. Comme les pistolets, c'est un outil. Je sais pas quel type d'outil ça peut être, mais c'est un outil. Hein, donc, reconnaissance instantanée, j'y arrive pas. Headshot. Un petit zombie. Donc un petit scientifique qui pleure de son côté. Je ne sais pas comment il a atterri là. Voilà, donc il va se ramener logiquement. Très bien. J'avais bien dit que ça tournerait mal. Donc voilà, une porte automatique. Alors côté esthétique, ça ressemble pas à une porte automatique, c'est une porte en fer avec des charnières non électrifiées, enfin, je ne sais pas comment fonctionnent les vraies portes automatiques. À part celles qui ont un bras juste au-dessus. Ou ceux des magasins qui sont coulissantes. Donc à mon avis c'est une porte manuelle, mais ils ne savaient pas faire correctement pour... Ah voilà. Ils savaient pas faire correctement pour en fait ils avaient que deux portes en fer à faire, mais ils ont voulu en faire qu'une. Donc voilà. Headshot.
J'ai râlé tellement ce jeu, mais en fait je l'adore. Je sais pas ce que j'adore dans ce jeu, mais je l'adore. Voilà, donc il y a un crabe là-bas. Il remonte. Moi, je descends. Plus que 33 HP. Donc PV, point de vie. Et il y a des crabes qui sautent et qui tombent en même temps. J'étais bloqué. Donc voilà un kit de soins. Même que je vais dire un premier kit de survie. Là je sais pas comment on est censé faire pour ne pas perdre des points de vie en étant là au-dessus. Peut-être en essayant de glisser sur le coin juste avant. Faut pas y tomber. Donc nous voilà dans les conduits d'aération qui sont plutôt bien faites. Je vais faire Matrix, je vais sauter et headshot. Donc pour ceux qui ont re-regardé la vidéo pour voir si j'ai vraiment fait un headshot, et ben pour vous simplifier la vie, ben je l'ai pas fait en fait. Je l'ai loupé juste au dernier moment, c'est dommage. Un big fail. Donc voilà un crabe. On en voit un autre, il y en a un caché derrière moi. Il a sauté dans l'eau. Je vais l'achever. J'ai pas utilisé plus de munitions pour rien. Il y a un first aid kit là-bas. J'ouvre la porte. Je regarde derrière, devant. Et voilà, donc on va arriver aux 25 minutes, même qu'on est à 28 minutes. Bientôt, donc il faut que je le finisse. Donc mes vidéos peuvent se finir n'importe comment, que ce soit normalement dans la fin de chapitre ou en fail, et voilà.